Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 253 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Devoured Time. Alors mon accent anglais, hein, Devoured Time. Et puis on va voir ce que ça donne. On est parti sur un new game. Game mode normal. No loading. You emerge from a cave. Idashing, very confused. The first thing comes into my... La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de trouver un homme qui s'appelle Lipsty. Déjà, il a un nom à la con, le mec. Hein. Mais étrangement, vous ne pouvez pas vous remémorer quoi que ce soit d'autre depuis votre sortie de la caverne. Thinking you might... Blablabla. The doors doesn't have any mean to be located, blablabla, having nothing. Je comprends pas trop, en gros, faut qu'on aille trouver Lipsty. On dirait le nom d'un truc pour les lèvres. Donc ça se joue clavier, ça se joue contrôle caméra, souris. Oula, ça a lagué un petit peu, graphiquement, dis donc. Ah oui, donc je suis sorti d'une caverne, donc je ne peux pas rentrer d'ailleurs au passage. Hein. Et alors, je n'ai pas d'armes apparemment, hein, ni quoi que ce soit. Je suis dans une caverne, oh putain ça. Ouh, ça accroche. Ouh, ça accroche. Graphiquement, je suis en mode fantastique. Bah dis donc, est-ce que c'est le jeu qui est mal branlé ou est-ce que c'est ma carte qui fatigue? Il y a des petits accrochages. Peut-être c'est juste des accrochages de performance plutôt graphique, je pense. Regardez, ouais, c'est pas graphique. C'est le jeu, en fait. Ok, je suis rassuré. Est-ce que c'est lui, Lipsty? Hey, can you help me with something? I look for someone called Lipsty. Well, you have come to the right place. I'm Lipsty. No, what can I do for you? I'm not sure. Ok. Et je me suis François Hollande, moi, en anglais, vous savez pas. Step closer to Lipsty can get a bitter look at you. Ok. Je sais pas ce que tu me dis, je sais pas ce que tu me dis. Faut que j'aille quelque part. Je sais pas où... Parce que j'aime pas lire les phrases de 3 km en anglais. Regardez le mouvement des arbres. On dirait qu'ils ont froid, les mecs. Mais ils me saquent. Bon. Alors graphiquement, voilà, ils ont essayé de faire quelque chose de joli. Au niveau des, voilà, des mouvements des arbres, c'est pas du tout naturel. Ouh, puis le sol, il est joli. Qu'il est joli, le sol. C'est un reflet. Ok, puis comme vous avez vu, ça lag. De temps en temps, ça accroche. Mais hi, hi. Ah oui, alors, juste au passage, ce mec court comme un handicapé. Hein. J'ai rien contre les handicapés sont des gens tout à fait normaux, hein, mais ils n'ont pas le choix. Hein. Alors toi, je pense que vraiment, t'as un balai dans le cul, mon gars. C'est sûrement un bobo. Ah non, enfin ça doit pas être moderne. C'est un bobo du Moyen-Âge. Un genre un mec riche et tout qui sait pas trop ce qu'il fait là quoi. Oh putain, je peux zoomer, regardez. C'est moi. C'est là que ça lag en fait. Quand ça essaye d'afficher le décor en fait. C'est sûrement à cause de tous ces arbres qui vibrent. Alors, équipe. Qu'est-ce qu'il y a là, équipe? Y'a rien du tout. Ok. Une potion. B. Est-ce que je fais B? Non, ça fait rien. Et si je fais P, ça fait rien du tout. Qu'est-ce que... Hey, I am crâne. Mais ça me donne envie de jouer, dis donc, tout cet écran noir. Pourquoi l'écran est noir? Pourquoi ils ont pas mis le cadre par-dessus le décor? Hein? Pourquoi? Parce que du coup, en plus, vous me voyez plus, hein, évidemment. Essaye de vision, bla ta mère. Vision, personne, Lipsty, think, personne was you. Note sûre. Ok. Donc en gros, ouais, il y aura une vision de lui. Very Lipsty told me about him, ok. I met an ST, ok. Ouah, con, qui va lire ça? Ça donne pas envie. Même un mec qui sait lire anglais, même moi, si c'était écrit français, j'aurais pas lu. Non. You need about 200 pièces of low quality wood and 40 pièces of low quality stone.
Plot Manager. Merde. Bulle d'option. Forester Hunt. Farm. Build. Your home. Build. Je peux construire ma maison. What the fuck? Tiens, si je prends le morceau de bois là. Faire quelque chose avec ou pas? Et ça, c'est quoi ça? Pourquoi il y a des cailloux posés un peu partout? To white pass. Ah, le raciste quoi! Youhou! Ah putain, regardez-moi tous ces pauvres arbres. Moi, ça me fait pitié, hein. Tous ces pauvres arbres qui ont froid. Bon, il y a une montagne là-bas, elle fait pas trop la gueule, ça va. Elle donne envie, elle a la joie de vivre. Voilà. Il y a vraiment des bruits chez moi. J'ai vraiment peur. Alors, to white pass. Oui, mais ça ne sert à rien, qu'est-ce que je fasse? C'est moi où la nuit tombe? Ce jeu est de plus en plus sombre. Déjà que c'est sombre. Ah, il me semble qu'au montage, ça noircit un tout petit peu. Enfin, du coup, pas le montage, mais la vidéo qui est filmée de ce que je joue, ça noircit un poil plus les vidéos. J'ai remarqué ça. To white pass. Ok. Ah, ils auraient pu faire un curseur pour le jeu quand même. Regardez-moi, j'ai mon curseur blanc. Puis il fait nuit, quoi. Ah, la nuit qui tombe. Ça fait peur. Surtout que tu dis, mais ouais, enfin, s'il fait nuit, comment je vais faire pour voir où je vais? Déjà que je sais pas où je vais. J'ai cru qu'il y avait des bonhommes. Ah non, c'est juste moi quand je marche. Dans le sable, ça fait un bruit pas pareil que l'herbe. Au moins, ça, on peut dire que c'est géré, c'est sympa. Ok. Clear débris. Ok. Je peux pas les... Je peux rien en faire. Ok. 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 C'est quoi ce untagged là? Putain. Dites-moi pas que c'est un bug du jeu. Ah bah ça y est, fait nuit. Ah c'est joli le ciel. Enfin, le ciel est joli sauf quand vous le regardez depuis la cave en fait. Voilà. Là, il y a les étoiles, il y en a plus. Il y a les étoiles, il y en a plus. Il y en a pas. Bon bref, on en a marre. Hein. Yo, est-ce que je peux sauter, c'est vrai? Est-ce que je peux sauter? Est-ce que c'est un jeu où on peut sauter? Non, je ne peux pas sauter. Donc ça veut dire que je vais me faire foutre. Si je veux passer là, je peux pas. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une lune quelque part? Parce que... Oh putain. Mec en gros plan, quoi. De la barbe aussi épaisse que tes cheveux. Bon. Il n'y a pas de lune, hein. Donc on n'est pas sur Terre. Voilà, voilà. Ou, en tout cas, elle est de l'autre côté. Parce que oui, les conclusions hâtives. Alors c'est pas le tout. Mais j'aimerais bien m'amuser dans le jeu, s'il vous plaît. Oh! Oh! C'est quoi cette ombre, là? Qui dit ombre, dit lune? Lune! Waouh! Waouh, elle est jolie. Par contre, elle se barre. Je peux essayer d'embarquer, mais la lune se barre. Moi, quand je regarde dans le ciel, elle fait pas ça, la lune. C'est sûrement que le temps passe vite quand on s'amuse. Ah, énorme blague! Énorme blague! Énorme blague! Oh, le chemin qui s'arrête devant un caillou! Super le chemin utile! Il fait sombre. Parce que la lune se déplace. Au moins les ombres à suivre. Ça, c'est sympa, regardez. Oh! Oh! On peut dire que c'est. Il y a eu des efforts côté. Réaliste. Cela dit, en fait, je me fais chier. Hein, voilà. Ils auraient pu mettre un peu plus de jeu dans le jeu, s'il vous plaît. Hein, voilà. Des fois, c'est pas trop demandé. Hein. Parce que là, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il aurait peut-être fallu que je lise ce qu'il disait le monsieur, mais bon. Ça me donnait pas envie, donc je vais dire que c'est leur faute. Voilà, donc là aussi, il y a un chemin, mais qui mène vers un caillou. Hein, comme par hasard, hein, je peux pas faire autre chose que de suivre ce chemin ou de me retrouver devant le
tas de trucs qui bouchaient le chemin tout au fond là-bas tout à l'heure, et que j'avais marqué clear mine et que je pouvais pas, en fait, ça faisait rien du tout quand je faisais clear. Voilà, voilà. Quelque chose me dit que vous faites vachement chier, autant que moi sur ce, devant cette vidéo. Oh. Bon, on va pas aller là alors. On va aller là-bas. Build option. Eh, mais c'est trop bien ça, faudrait que j'ai des matériaux pour construire quoi que ce soit. Mais ouais, si on peut construire une maison et tout, ça pourrait être un jeu sympa, hein. Il suffirait que je sache comment on fait. Je pense qu'on pourrait s'amuser. Il est possible qu'il y ait peut-être des chances. 600, 400, hein, pas mal, pas mal. Alors là, évidemment, le chemin est bouché, hein. Faudrait pas qu'on puisse aller trop loin dans ce jeu, faudrait pas qu'il soit trop ouvert, hein, voilà. Ah putain, ça rame de fou. Ça c'est juste horrible quand vous avez des lags graphiques. Surtout que ça survient un peu n'importe quand pour aucune raison valable. Et en fait, les mecs, je sais pas ce qu'ils mangent ici, mais y a pas d'animaux. J'ai pas croisé un seul lapin, quoi. J'aurais bien aimé casser la gueule à lui lapin. Faire quelque chose avec. Parce que là, je vais le revoir, le mec. Il est toujours dans sa maison, il doit se faire chier comme un rat, quoi. Build home. Ok. J'ai fait upgrade et. Il m'a dit upgrade complete. Bon alors, je vais construire une maison. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi ça ne marche pas. House, your home, voilà, build. A place to call home rest here to restore health and remove blablabla. Many negative effect. Ressources required 100 wood, 40 stone. Ah, il refait jour. Mais alors, voilà, la question, savoir comment je récupère des cailloux, parce que les cailloux il y en a partout. Mais et comment je fais? Voilà, j'essaye un peu toutes les touches, voyez-vous. J'espère qu'il n'y en a pas une qui va arrêter le jeu. Non. Un truc qui est apparu mais je sais pas ce que c'est. YOLO. Mais ça c'est trop bien. Attention. Il est où le soleil? Il est passé où le soleil? Il est où le soleil? Il est là. Coucou le soleil. Oh. Ah. Oh. Voilà. Le truc le plus fun que j'ai eu dans ce jeu jusqu'à maintenant. Je m'amuse. Soleil. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Ta gueule. Alors, on va mettre là en pleine journée. J'aimerais bien construire ma maison. J'avais pas envie d'être SDF, surtout avec les nuits sont froides un peu. Je suis un peu déçu quand même là. Un petit peu de la merde ce jeu quand même. Vas-y, prends la planche là. Fais quelque chose avec, sans déconner. Fais quelque chose de tes putains de doigts. Comment je fais pour jouer? Y a pas d'option, je peux pas retourner. Quels sont les contrôles? Expliquez-moi. Ah. Ah, je sais pas si vous entendez, j'ai un débile de voisin qui crie. Il est tout content. Vous voyez, parce que j'ai un voisin, c'est une grande histoire d'amour. Ouais, je sais pas, il est toujours tout content. Ça, il a la joie de vivre au moins.
Hop. Oh putain. Si vous êtes sérieux, je suis bloqué dans... Là, je peux pas aller. Je pouvais pas monter par là. Il y a des pentes qui sont trop pentues. Watchtower. Je peux faire plein de trucs, hein. Je fais juste que je sache comment avoir des matériaux. Est-ce que je peux tailler les arbres? Non. Non, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Mais je crois qu'il est vraiment content. Qu'est-ce que... Bon. Parce que du coup, il fera plus jamais nuit, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais comme du coup, c'est moi qui ai le contrôle du temps. Et les ombres aussi. Vous. Les ombres passent. Les ombres trépassent. Oh. Et en fait, j'ai le contrôle de plein de choses. J'aimerais juste avoir le contrôle des éléments autour de moi, histoire de que je puisse construire une maison avec. Ça serait une bonne idée, s'il vous plaît. Donnez-moi l'accès à la construction des maisons. La construction tout court. Je veux juste construire, quoi. Je ne comprends pas comment... Peut-être que je suis arrivé dans une phase initiale du jeu où c'est que il manque des choses, hein. C'est peut-être juste un jeu pour... voilà, pour découvrir. Non, mais enfin, c'est vraiment un truc de fou. J'ai mon casque sur mes oreilles, je l'entends. Voilà. Your home, ta mère. Build. Bon. Et ben voilà, on va en rester là, hein. On va s'arrêter là sur cet épisode palpitant. C'est un jeu donc qui s'appelle, j'ai oublié le nom, voilà. The Devayer, je sais pas quoi, c'est un truc que j'avais du mal à prononcer. Bon, de toute façon, je m'en fous, vous avez le nom sous les yeux. Et puis je l'ai dit au début de la vidéo, hein. Vous avez qu'à regarder au début de la vidéo. Et puis c'est marqué dans l'introduction et tout. Devoured quelque chose, Devoured Time. Dévoré de... Je suis... Ouais, truc comme ça. Voilà. Donc ce jeu... Je sais pas si c'est vraiment un jeu. Voilà, j'ai vraiment du mal à savoir ce qu'il faut que je fasse. En tout... Enfin, si, il faut que je construise une maison, mais j'ai pas... Voilà. Il y a pas d'indication. Enfin, comment... Qu'est-ce que je fais? Il y a des efforts faits sur le graphisme. Un peu moins sur les arbres, hein, parce que vraiment, c'est pas naturel. Bon, ben, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, on en reste là pour cet épisode, si vous avez aimé, aimez, voilà, si vous n'avez pas aimé, n'aimez pas, et par contre, si vous avez quelque chose à dire, si vous savez comment on joue à ce jeu et quel est le but, et surtout pourquoi il existe, dites-le dans les commentaires, voilà. Et ben, d'ici là, portez-vous bien, et puis, tchou!